Avec les Troyens, Berlioz a conçu une œuvre d'exception, peut-être son opéra œuvre-monde, avec la difficulté qu'il a eue à l'époque de la faire représenter en entier, parce qu'elle était longue, en deux parties. Nous avons la chance cette année de pouvoir présenter en un seul soir, mais en deux temps, une première partie pour la partie troyenne et l'autre partie pour Carthage, sous la direction de John Elliott Gardiner, qui est sans doute aujourd'hui le grand spécialiste de Berlioz, le plus passionné de l'œuvre de ce compositeur. Et c'est lui qui s'est donné à la musique et aux chanteurs de Berlioz, ainsi qu'au texte qu'il a lui-même écrit, la force, la conviction, la passion qui ont fait de cette œuvre, déjà en son temps et jusqu'à aujourd'hui, peut-être le plus grand opéra français de l'époque du romantisme.